essayer de faire qu'il y ait de la vie, parce que Pont-du-Château est une belle ville où il fait bon vivre. On a tout ce qu'il faut, tout vraiment l'environnement, et la seule chose qui manque, c'est les commerces de proximité qui meurent. Il faudrait mettre des commerces en centre-ville, très important pour les personnes âgées. C'est surtout ça, je crois, oui. Et puis, entretenir un peu plus les rues. Je m'occuperai un peu plus de la vie des commerçants, parce que le Pont-du-Château devient une ville morte. Il n'y a plus de commerce. Je m'occuperai des parkings, peut-être, mais bon, on ne peut pas... Il n'y a peut-être plus de place, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le centre de Pont-du-Château est complètement mort maintenant. Je ferai des places de parking déjà et puis une maison pour les jeunes. Je réduirai toutes les incivilités et je ferai beaucoup pour les associations. Et reprendre tout ce qui est l'éducation, parents et enfants. Là, c'est un travail monumental parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ne respectent plus rien. Il faudrait que tout le monde respecte, déjà vous voyez sur le trottoir là, on ne peut même pas passer parce qu'il y a une voiture, hein, et la propreté aussi, c'est sale. Le côté rive droite de l'Allier, qu'on nous entretienne un peu plus ici de ce côté, là où on est en ce moment. Je commencerai à réparer les routes un peu, parce que ça devient une catastrophe. Et après, bon, la population, elle est nettement suffisante parce que de plus en plus, on voit que c'est des lotissements dortoirs. Et Pont-du-Château était avant une ville très agréable et ressemblait à un petit village. Et maintenant, c'est fini. À voter.